doivent se rendre au front row du défilé. Voilà. Journée complètement folle aujourd'hui. Ça a commencé donc déjà très tôt le matin avec donc une de mes clientes au Ritz, où il a fallu donc appliquer du maquillage. Ensuite, on a couru au défilé Jean-Charles de Castelvajac, très très beau défilé. Et ensuite, on a couru donc au Crillon, où là, il a fallu préparer donc les célébrités pour le défilé de Paco Rabanne, hein, les célébrités qui vont s'asseoir donc en front row. 4 célébrités à préparer pour ce défilé qui, j'en suis sûre, sera amazing. Nous avons eu ce plan grâce à Agnès Cazin de IT73, qui est une fille très éclatante. Franchement, she goes for it. So, franchement, Agnès, on t'encourage, continue tes efforts. Continue ce que tu fais, et c'est grâce à toi qu'on a fait, qu'on a réalisé tout ce qu'on réalise aujourd'hui, quoi. On a réalisé le maquillage de Linda Wells, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, donc la rédactrice en chef du magazine Allure. Ensuite, nous avons préparé Daphne Guinness et également Jack Jagger, Emily Gomez. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est une basketball woman, on va dire, c'est ça. Donc voilà, qui va bientôt préparer donc les Jeux Olympiques, donc nous l'encourageons. De petits routins et un rouge à lèvres, voilà. Merci. De rien, de rien. Pleasure, my pleasure. Hi guys again, j'ai oublié de dire un gros bravo, un gros merci aussi à Christophe qui of course fait partie de la même équipe que nous, on subit les mêmes choses, donc thanks to you Christophe. Can you follow me please, now we're gonna have some freestyle stuff, you know it wasn't pretty, but this is Christophe. Oh, nothing on my heart, nothing on my heart. This is Kim, this is Kim I was talking to you about, guys. Ciao.